Nanti Melie, oh 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 oh, li konjina moto etali katina bato. Panti Melie, katina solo, li konjina moto etali katina bato. Panti Melie, oh 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 oh, et tu mele ki godene, kolo kama kasi te oh. Kolo Yesu nanga, kunde langa na lo. Oh, et tu mele ki monene, kolo kama kasi te oh. Kolo Yesu nanga, kunde langa na longa. Kolo, kolo Yesu. Oh, kolo, kolo nanga. Onde ngo kunde la ki Moise. Kolo. Kolo Yesu, tengo kundela ki Yakobo. Kolo kundela penga, oso ki otiki nyala kokweya. Kolo, kolo Yesu, oso ki otiki nyala kokweya. Kolo, kolo Yesu, ondengo bundela kibraname. Kolo yo bundela peka, ondengo bundela kishadrake. Kolo, kolo Yesu. Gloire à Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 14. Avant tout, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, ce sont des moments bénis pour l'homme, Seigneur. Et c'est de trouver dans ta présence pour entendre ta parole, Seigneur. Nous sommes heureux ce soir, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous, Seigneur notre Dieu. Et si nous te prions, Père bien-aimé, de nous parler encore une fois, Seigneur, parce que dans ta parole il y a la vie, et nous nous voulons recevoir la parole qui est dans la vie qui est dans la parole, afin que le monde puisse voir la vie de Dieu sur la terre. Seigneur, bénis la parole que nous allons lire, sanctifie-nous par cette parole, car cette parole est la vérité. Nous attendons à toi, Seigneur, et nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons lire dans Genèse chapitre 14. Nous commençons au verset 17 jusqu'au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedolomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit:
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'avais promis, nous allons donner quelques enseignements sur la Sainte Cène, sur le repas du Seigneur, que nous appelons aussi communément la communion. Mais ce soir, le prophète va nous montrer l'origine de la communion pour nous montrer qu'en réalité, nous ne prenons pas la communion. La communion, c'est une histoire que les catholiques ont fabriquée parce qu'ils pensent que le pain qu'on mange à la Sainte Cène, au repas du Seigneur, après la prière du prêtre, ce pain devient le corps littéral de Jésus-Christ. Et alors, on vient communier avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on a appelé cela la communion. Mais en réalité, ce n'est pas la communion parce qu'on ne parle pas avec Jésus. C'est tout simplement une commémoration. Donc ce n'est, le pain ne représente pas, n'est pas le corps de Christ, mais c'est tout simplement une représentation. Donc nous ne croyons pas que nous mangeons le corps littéral de Jésus. Si on pouvait parler du corps littéral de Jésus, c'est quand nous mangeons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole et que nous recevons la parole, c'est alors que nous mangeons le corps du Fils de l'homme, parce que Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc nous mangeons le corps du Fils de l'homme quand nous écoutons la parole de Dieu. Et la véritable communion, c'est ça. Mais quand nous prenons le pain et le vin, ce n'est pas la communion. C'est une tradition catholique. Lisons dans la prédication la communion. Prêché le 4 février 62. Je commence au paragraphe 57. Maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour expliquer ceci. Ces moyens de communion. Bon, nous prenons ce que nous appelons la communion, c'est-à-dire le pain et le vin. Or, ça a été tellement déformé qu'il n'est même pas bon d'en parler. Oh, comme ça a été déformé au cours des années. En fait, ça, ce n'est pas une communion. C'est simplement de garder un commandement. Comme nous le verrons plus tard, le Seigneur Jésus nous a donné trois commandements, trois ordonnances que nous devons observer littéralement. Donc le repas du Seigneur, que nous appelons encore la communion, est un commandement que nous devons observer. C'est une ordonnance. Mais ce n'est pas la communion comme l'attend l'Église catholique.
Ok. C'est simplement de garder un commandement. Voyez. Bon, la raison pour laquelle nous l'appelons communion, c'est que ça vient de l'association que font les catholiques qui déclarent que c'est la Sainte Eucharistie qui est littéralement le corps du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le corps du Seigneur Jésus. C'est seulement en commémoration de son corps. Et peu m'importe le nombre de prêtres ou de prédicateurs, ou quelle que soit la personne qui bénit ça, c'est toujours du pain et du vin. Il n'y a aucun prêtre, et pourtant, c'est ce qu'ils nous disent. Que Dieu est obligé d'écouter le prêtre quand il transforme la communion. Ce qu'eux appellent la communion, l'Eucharistie, encore littéral du Seigneur Jésus. Donc, aucune prière de qui que ce soit ne peut transformer le pain que nous mangeons ici encore littéral de Jésus-Christ. Et on vous dit même que ça se transforme en sang. Il ne faut pas toucher ça avec les mains. Il faut seulement ouvrir la bouche et le prêtre va te mettre dans la bouche. Malheureusement, aujourd'hui, tout a changé. Quand j'assiste aux messes catholiques, les gens se présentent, on met ça sur la main et la personne mange ça. Donc, les choses ont changé. Vous voyez ce que l'homme fait doit changer. Mais c'est ce que Dieu fait qui est éternel. La parole de Dieu reste, demeure éternellement. Tout ce que l'homme fait, il change cela avec le temps. Donc, alors, le croyant prend ça, et c'est ça qui est la communion. C'est faux. Donc ce n'est pas la communion. Après, allez, la beauté. Il croit que en mangeant le pain ou l'Eucharistie, c'est manger littéralement le corps de Jésus. Parce que Jésus a dit à ses disciples, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang. Donc pour les catholiques, nous mangeons le sang. Donc les gens mangent le sang, pardon, la chair, et boivent le sang de Jésus. Mais malheureusement, il n'y a que le prêtre qui boive le sang de Jésus. Et les autres ne mangent que la chair. Mais Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, il n'y a que le prêtre qui mange la chair et boive le sang. Donc il n'y a que eux qui ont la vie éternelle. Mais les autres prennent une partie de la parole dont ils n'ont pas la vie. Oh, ça c'est terrible. Donc c'est faux. Communier, c'est parler. Communier avec quelque chose à quoi vous pouvez parler et qui vous répond. C'est ça, communier. Une hostie ne peut pas répondre. Donc, en réalité, la vraie communion, c'est quand le Saint-Esprit répond. Voilà. Quand vous lui demandez et qu'ensuite il répond, c'est ça la communion correcte.
Ceci nous le prenons à commémoration de la crucifixion et de sa résurrection. Mais ce n'est pas une communion. C'est comme ça que nous l'appelons. Mais ce n'en est pas une. Ça vient de l'Église catholique qui prend cette hostie comme nous avons examiné la mise en place de ces choses l'autre jour en traitant du paganisme contre le christianisme. Les Romains adoraient les idoles. Donc ils prennent une idole comme Dieu. Et ils pensent qu'en adorant l'idole, l'idole lui parle ou lui répond. C'est pourquoi ils pensent aussi que l'hostie va vous parler. Non, l'hostie ne peut pas parler, c'est tout simplement un morceau de pain. C'est du paganisme. C'est de l'idolâtrie. Au paragraphe 60, il dit ceci. Il est dit que cette petite hostie ronde est le corps littéral de Christ. Or, c'est ce que l'Église catholique croit. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'il passe près d'une église, il faut le signe de la croix. Ils soulèvent leur chapeau et ainsi de suite. Ce n'est pas à cause de l'église. C'est à cause de l'hostie qu'il y a à l'intérieur. Donc ils croient que l'hostie est ici à l'intérieur. Ce corps que le prêtre a transformé d'une hostie en corps littéral de Christ. Alors que ça peut être emporté par des rats et des souris. Vous ne penseriez quand même pas en réfléchissant à être civilisé qu'un morceau de pain puisse être le corps du Seigneur Jésus. C'était possible. Mais les catholiques croient ça. Les hommes intellectuels, les hommes qui ont beaucoup étudié, ils peuvent croire que l'hostie la ronde peut se transformer en corps de Jésus Christ. Ne croyez pas à cela. Donc la communion, on est habitué de l'appeler communion. Cela vient de l'Église catholique qui pense que quand on prend l'hostie et que l'hostie par la prière des prêtres est transformée en corps littéral de Christ, donc on vient communier avec Christ. C'est pourquoi on appelle cela la communion. Mais ce n'est pas la communion. Nous appelons cela le repas du Seigneur ou le souper du Seigneur ou la sainte cène. Ce sont les mots appropriés. Donc maintenant retournons dans l'Ancien Testament pour vous montrer le type du repas du Seigneur. C'est ce que nous venons de lire. Qu'Abraham, Dieu lui a montré ce pays, que ce pays t'appartient. Bien qu'il y avait des peuples là à l'intérieur, mais Dieu a donné une promesse à Abraham, que je te donne ce pays, c'est pour toi. Tu vois balayer ce pays de tous ceux qui sont là-bas. Tu vois les détruire. Tous. Et toi, tu vas prendre le pays.
Et Abraham était dans ce pays-là. Nous connaissons l'histoire. Comment ils se sont séparés avec Lot, son neveu. Et comment un jour, quelqu'un venait lui dire que votre neveu qui est à Sodome et Gomorrhe, il y a des rois qui sont venus combattre les rois de Sodome et Gomorrhe. Et ils les ont attaqués, ils les ont vaincus et ils ont pris tous les biens, et l'autre, ton neveu, a été aussi pris en otage. Oh, frère. Abraham. Il savait que ce pays-là, même les rois là qui ont combattu Sodome et Gomorrhe, c'est son pays à lui. Quand Dieu vous donne une promesse, possédez la chose. Même si vous ne l'avez pas encore, physiquement, mais possédez ça. C'est votre promesse. Ah, c'était dur. Abraham a pris ces gens, ces travailleurs, ces serviteurs, il les a armés. Il n'y avait pas de calibre 12 ou je ne sais pas moi, les chars de combat, ou il n'y en avait pas. Il les a armés avec les machettes, je ne sais pas. Mais ils sont allés combattre. Abraham était sûr que Dieu lui a donné la promesse. Et même maintenant, il pouvait tuer tous ces gens-là. Lui seul. Et les faire partir de ce pays-là. Il avait la foi. Et ils étaient nombreux. Abraham était un petit nombre. La Bible dit, il a divisé son groupe. Qui ne partit passe par là. Qui ne partit passe par là. Et moi, je veux venir comme ça. Ils ont combattu ces gens-là. Ils les ont dispersés. Ils les ont détruits. Et Abraham. Il a repris tous les biens de Sodome et Gomorrhe. Et le roi de Sodome et Gomorrhe. Et l'autre, son neveu. Il pouvait lui dire, mais Omoni, tu ne fais que parler. Je t'avais dit de rester là-bas avec moi. Toi, tu voulais, tu aimais Sodome et Gomorrhe. Maintenant, tu vois. Si je n'avais pas intervenu, mais tu serais pris en otage pour toujours. Tu ne vois pas que c'est grâce à moi. Si c'était toi et moi, nous dirions ça. C'est grâce à moi d'ailleurs. C'est grâce à moi. Il n'y a pas de grâce à toi. Celui qui nous fait grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous fait grâce, c'est Dieu lui-même. Même si tu as fait quelque chose de bien pour moi, il n'y a pas de grâce. Il ne faut pas te vanter. Il faut glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à tout moment glorifier le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Abraham était content parce qu'il a vu la promesse s'accomplir. Il a compris que réellement ce pays lui appartient. Parce que Dieu a confirmé ça. Il a tué les gens. Il a gagné la bataille sans savoir ce qui s'est passé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et quand il est maintenant rentré après la bataille, vous savez, le roi de Sodome lui a dit, bon, tu prends ceci et tout ce que tu as gagné ici, c'est pour toi. Abraham a dit, je ne prendrai rien, même pas un fil là, je ne prends pas, sauf peut-être
Mais serviteurs ici, il peut prendre quelque chose. Mais moi, je ne peux rien prendre. Voilà un chrétien. Un véritable chrétien. Un véritable type de chrétien. Oh frère. Oh, ndeko. C'est lui qui bénit. Oh, c'est le Très-Haut. Il va te bénir. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Donner. Dieu vous remplira. Abraham, à ce moment-là, il s'appelait Abraham. Il rencontrait un homme. Je ne sais pas s'il était blanc ou il était comment, je ne sais pas moi. Mais il pouvait être comme Abraham lui-même. Un homme qui parlait. Il dit, béni soit Abraham. Frère, Abraham était un homme comme toi, comme moi. Cet homme-là l'a béni. Et cet homme-là a dit, béni l'Éternel, donc le Très-Haut. Écoutez bien. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Donc ce n'est pas Abraham qui combattait. C'est le Très-Haut qui combattait pour Abraham. Quand ces gens-là voulaient fuir, le Très-Haut les prenait, les entraînait chez Abraham. Allez. Abraham, reçois-les. Sans force. Traumatisé. On ne sait pas, frère. C'est Dieu qui combat pour nous. Et il continue à combattre pour ses enfants. Ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. C'est lui qui vous a appelé. Il combattra pour toi. Son travail à lui, c'est combattre pour ses enfants. Il n'est pas en train de créer. Il a créé tout, il a terminé. Mais quand l'ennemi est entré maintenant auprès de ses enfants, pour combattre ses enfants, c'est pourquoi Dieu maintenant s'est mis au combat. Et qu'il y a maintenant un conflit entre Dieu et Satan. Pas un conflit entre Satan et l'homme. Un conflit entre Satan et Dieu. Toi, tu ne combats pas. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais c'est le diable qui pense qu'il nous combat. Et il nous voit petits. Il nous voit faibles. Et il pense qu'il va nous vaincre. Il ne peut pas nous vaincre. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour nous. Qui est plus fort que lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alors après la bataille, après le combat, qu'Abraham a vaincu, il a raconté Melchisedec qui lui a remis le pain et le vin. Cet homme-là était seul. Où est-ce qu'il a pris le vin? Où est-ce qu'il a pris le pain? Mais il en avait dans ses mains pour donner ça à Abraham. Après la bataille, après le combat. Donc ce qui s'était passé là-bas, c'était un type de la Sainte-Cène, du repas du Seigneur, où nous prenons le pain et le vin. Donc la première personne à prendre le pain et le vin, c'était Abraham, notre père. Et c'est l'Éternel lui-même qui lui a donné ça. Oh frère, c'est merveilleux. Dieu montrait par là
D'après frère Branham, qu'il viendra dans la chair, dans ce pays-là. C'est le pays-là que Dieu a promis à Abraham. Que par cet homme-là, qui n'avait pas la chair et le sang, Dieu montrait déjà qu'il viendra en chair dans ce pays-là. Et qu'il servira le pain et le vin à ses enfants. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a pris le pain, il a prié, il a brisé, il est radonné. Que celui-ci, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Et il a pris de même le vin pour lui dire que ça c'est mon sang que vous allez prendre. La chose vient de loin. Au temps d'Abraham. Donc, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, on le prend après avoir vaincu le monde. Après avoir travaillé, après avoir combattu, après avoir vaincu le péché et tout ce qui est de ce monde. Et on est né de nouveau. On devient une nouvelle personne. C'est alors qu'on vient au repas du Seigneur. Ne revenez pas tout en état brut. Avec le chien du monde, vous aimez le monde. Et vous venez vous présenter au repas du Seigneur. Non, frères et sœurs. Vous devez vaincre. Vous devez vaincre le monde. Tout ce qui est du monde. Le caractère du monde. L'amour des choses du monde. Vous devez les vaincre. Pour que vous veniez au repas du Seigneur. C'est ce qu'Abraham a fait. Lui, il ne savait rien. Mais il a combattu. Il a gagné le combat. Il ne savait pas que c'était l'éternel qui combattait pour lui. Et le même éternel vient encore ici. Il lui donne le repas. Le pain et le vin. Il le bénit. Mais c'est lui qui a combattu pour lui. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais après le combat, cette victoire-là est pour toi. C'est ta victoire à toi. Dieu te cède de sa victoire. Il dit que ce n'est pas ma victoire. J'ai combattu pour toi. Maintenant, c'est ta victoire à toi. Proclame cela au monde. Que j'ai vaincu le monde. Le monde n'a aucun pouvoir sur moi. Je me battais. Je me querellais. Je buvais. Je faisais tout comme le monde. Mais maintenant, ces choses-là n'ont aucun pouvoir sur moi. Ils sont sous mes pieds. Je ne peux plus revenir à ça. Voilà la personne qui se présente à cette scène. Un vainqueur. Pas quelqu'un qui continue à blaguer, à plaisanter, à mentir. Vous venez à la Sainte Cène. Non. Ne venez pas, s'il vous plaît. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Frère Banam a dit, quand nous allons terminer maintenant, combattre contre le péché. Et que nous allons vaincre le péché du monde. Nous allons déposer les armes. Et nous irons maintenant dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, nous allons prendre le pain et le vin. Frère Banam me dit que la première chose que nous allons prendre quand nous allons rencontrer le Seigneur Jésus, ce ne sera pas le chikwang ni de la viande, je ne sais pas quoi, mais ce sera le pain et le vin. Parce que Jésus a dit, je ne prendrai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en prendrai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a du vin là-bas.
C'est même vœu qu'Abraham a pris. C'est ce que nous allons prendre. Oh, soyez heureux, frères et sœurs. La chose qu'Abraham a pris, nous allons prendre ça. Abraham sera là. Il reconnaîtra ça. Le coup de ce vœu-là. Il reconnaîtra ça. Il dit, mais frère, c'est ce que j'avais pris ce jour-là. Oh, frères et sœurs, quel jour pour nous. Donc, pour prendre le souper du Seigneur, vous devez vaincre le monde. Vous devez vaincre la nature adamique. Selon le type qui nous a été donné. Nous allons lire quelque chose dans qui est ce Melchisedec. Prêché le 21 février 65. Je suis au paragraphe 105. Qui est ce Melchisedec? Remarquez, une fois la bataille terminée, Melchisedec servit à son enfant victorieux la communion. Pensez-y, une partie de lui-même. C'est très important. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui ne mange pas ma chair, une partie de moi, celui qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Donc, ce que Melchisedec a fait, en servant à son enfant victorieux, du pain et du sang, c'était pour dire que vous êtes une partie de moi-même. Et ce pain-là et ce vin-là, c'était une partie de Melchisedec. Il donna une partie de lui-même. Maintenant, nous voulons voir ici, sous la forme des types, la communion. Donc, ce qu'Abraham a reçu, c'était le type de la véritable communion que nous allons prendre. Ou ce que Jésus a donné. Après la bataille, il donna une partie de lui-même. Parce que la communion est une partie de Christ. Une fois la lutte terminée, et après avoir été bien secoué, c'est alors que vous goûtez à Christ et devenez une partie de cet être. Vous saisissez cela? Quand nous croyons à Jésus-Christ, nous confessons nos péchés, nous repentons, nous sommes secoués. J'ai volé quelque chose de quelqu'un, je vais aller arranger ça, je vais aller restituer ça, j'avais fait ceci, j'ai mis ma vie en ordre, je suis secoué. Je viens maintenant à Christ. Je deviens maintenant une partie de Christ. Tel que tu es là. Tu es un membre du corps de Christ. Après avoir rejeté tout ce qui est du monde. Le monde n'est pas pour toi. Le monde c'est Satan. Qui nous a mis toutes ces choses sur nous pour nous rendre lourds, pour que nous ne puissions pas entrer en communion avec notre Père. Et le monde nous attire, il nous éloigne de notre Père. Mais Christ est venu pour nous attirer vers le Père. Et alors, pour que vous puissiez être bien attiré, il faut vous débarrasser des choses du monde. Comme David, quand il est venu,
Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va tuer Goliath? Parce que moi, je vais tuer Goliath. Je vais couper sa tête. Les gens sont allés à parler à Saül. Mais il y a un jeune homme ici qui nous étonne. Il est vraiment sûr de lui-même. Quand il vous parle, ça veut que tout le sérieux possible. Il ne blague pas, il dit qu'il va tuer Goliath. Un petit enfant, est-ce qu'il est dans l'armée? Il dit non, il ne fait pas partie de l'armée. Ce sont ses grands frères. Mais lui, il vient, je ne sais pas moi, du village. Son père l'a envoyé. Saül a dit, bon, appelez-le-moi, fais-le venir ici. David est parti avec l'onction du roi sur lui. Il ne parlait pas par plaisir de parler. Il était sûr qu'il sera au roi d'Israël. Par conséquent, personne ne peut le tuer avant qu'il devienne roi. David était sûr de lui-même. Que même si on me prenait, on me mettait dans la fournaise ardente, je ne mourrais pas. Parce que l'onction qui est sur moi, c'est pour que je devienne roi un jour. Frères et sœurs, vous devez être sûr de quelque chose. Si c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu doit vous donner une assurance dans cette vie ici. Oui, bien aimé frère et soeur, ne marchez pas comme ça au hasard. Vous devez être fixé dans votre vie, parce que vous connaissez celui qui vous a appelé et vous savez qu'il vous a donné une promesse qui ne vous a pas abandonnera jamais, mais il sera avec vous jusqu'au dernier jour. Oh frères et sœurs, Saül lui a donné les souliers, les bottes, toute son armure. David voulait marcher, mais ça non, petit, porte ça. Si on va te tirer, le casque ici va te protéger. David a dit, écoutez, tel que tu me vois ici, ça, c'est sa armure ici. Un lion est venu. Il a attrapé ma brebis. Je l'ai chassé. Je l'ai attrapé. Je l'ai tué. Et j'ai arraché la brebis. Ça, il les regarde. Qu'est-ce que tu racontes? Reprends encore ça. David a dit, c'est que je te dis la vérité. J'ai chassé un lion et je l'ai tué. Il dit, mais écoutez encore. Ce n'est pas seulement les lions. Un ours est venu encore. Il a attrapé une autre brebis. Il a fui. Moi, je l'ai suivi. Je l'ai attrapé. Je l'ai tué. Et j'ai arraché la brebis. C'est lui qui m'a aidé à tuer le lion, à tuer l'ours, est capable de m'aider pour tuer Goliath. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Saül a regardé. Saül a tali. Mais ce petit ici peut avoir quelque chose. Ok, moi je ne peux rien. Mais si on te tue, ton père ne viendra pas. Roi, sois sûr. Saül ne savait pas que quand David et Samuel l'a rejeté, il est allé oindre David là-bas. Saül ne savait pas ça, que celui qui est devant lui là, c'est lui qui est le roi d'Israël. Moi, David, je suis déjà rejeté.
Oh frère, oh, ndeko, c'était dur. Exactement. Et c'est comme ça que Goliath s'est débarrassé de toutes choses de ce monde pour ne compter que sur Dieu seul. C'est ça la position d'un chrétien. Un chrétien n'a pas à compter sur ceci, sur ceci, sur les gens du monde. Non! Apprenez à compter seulement sur Dieu. Même si tu es fort physiquement, comptez sur Dieu. Même si tu as tes frères qui sont des généraux, comptez sur Dieu. Oh, frères et sœurs, quelqu'un qui est général, même s'il est armé, mais la mort peut venir devant lui et il meurt. Pourquoi compter sur les hommes? Compter sur Dieu. David a compté sur Dieu. Il avait l'assurance qu'il avait l'onction du roi sur lui. Si Dieu te révèle que tu es son enfant, cela suffit, frère et sœur. Qu'est-ce que nous venons faire ici? Mais nous venons pour connaître celui qui nous a créé. Comment il nous a donné toutes les promesses possibles. Oh frère. Oh ndeko. C'est ce qu'Abraham savait. Le fils n'était pas encore là. Mais ce pays-là a été promis à sa postérité. Abraham savait qu'il ne peut pas mourir sans avoir eu la postérité que Dieu lui a promise. Non, frère et sœur. Toutes ces manières de marcher avec Dieu, c'était le type pour nous aujourd'hui, pour que nous sachions comment marcher avec Dieu. Vous avez peur. Vous pensez que vous manquez des choses. Vous ne manquez rien. Même l'argent, vous ne manquez pas ça. Parce que votre père vous a dit, à moi l'or et l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. Je peux même aller ouvrir la bouche du poisson et prendre l'argent là-bas et venir donner à César. Mais il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait ça hier, il est capable de le faire aujourd'hui. À partir de 5 pains, il peut nourrir des milliers de personnes. Comment la pensée humaine peut s'imaginer ça? Oh, frères et sœurs. Il dit, Jacob lutta toute la nuit et ne voulut pas le laisser partir. Jacob a butaki e butu mobimba pe aligaki te kotika yakenda. Qui ne l'ai béni. Soki ya pambolela noté. Jacob a compris. Jacob a sosola ki que ça c'était un ange qui a été envoyé par Dieu. Et tu es allé moi je vois où t'es pas ina nzambe. C'était Dieu lui-même. Ezaki nzambe ye moko. Il se battait, il luttait. Laisse-moi. Toi, tu es plus fort que Jacob. Pourquoi tu demandes à Jacob de te lâcher? Mes frères, toute la scène qui se passe dans ce monde ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire ça. Il te demande de faire ceci, il va le faire pour toi. Mais bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore dire. Vous êtes bénis. C'est Dieu qui vous dit ça. Il dit, c'est lui qui bénit, vous dit que vous êtes bénis. Mais comment vous pouvez encore raisonner? Vous raisonnez pourquoi? Lui-même qui bénit. C'est le seul qui peut bénir. Il vous dit que vous êtes déjà bénis. Acceptez ça. Ne raisonnez pas. Ne doutez pas. Jacob a dit, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est juste. La bataille pour la vie. Et une fois la bataille terminée, alors Dieu vous donne une partie de lui-même.
Il vous donne une partie de lui-même. Monsieur Teni Mokonaye. Que toi, et yo, tu es le bras. Ozali lobok. Toi, yo kuna, tu es, je ne sais pas moi, le doigt ici. Ozali mosapio. Tu deviens une partie de son corps. Combien Teni Mokonazotonaye. Il nous faut la bataille terminée. Vous devenez une partie de Christ. Une partie de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec le monde. Et Satan n'a rien à voir avec toi. Tu deviens plus fort que Satan. Invincible. Tu deviens une partie de la parole. Tu deviens la parole de Dieu. Et le diable ne peut pas vaincre la parole. Alors il ne peut pas te vaincre. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mes frères, c'est sa véritable communion. Le petit morceau du pain et l'hostie ne font que le représenter. Vous ne devriez l'apprendre que si vous avez combattu jusqu'au bout et que vous êtes devenu une partie de Dieu. Parfois, nous essayons un peu de d'assouplir la chose. Non, la chose qui est vraie, oui, et que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne venez pas à la table du Seigneur. C'est ça la chose vraie. Si vous n'êtes pas une partie de lui, vous ne pouvez pas venir communier avec lui. Oh, frères et sœurs, cela devait nous pousser à combattre jusqu'au bout, à nous examiner. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce monde attaché à moi? Qu'est-ce qu'il y a encore du monde qui est attaché dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des sentiments du monde qui sont attachés à ma vie? L'égoïsme, le mensonge, l'orgueil qui est encore attaché à ma vie? Non, je dois combattre aujourd'hui jusqu'à vaincre cela. Qu'est-ce que vous attendez alors? Nous sommes mardi aujourd'hui. Nous avons programmé le repas du Seigneur le 28 septembre. Non, on a encore 2 semaines. Qu'est-ce que tu attends pour ne pas combattre jusqu'au bout et gagner la bataille? Qu'est-ce que tu vas attendre? Pourquoi tu veux attendre? Tu peux tout abandonner jusqu'à ce que tu te débarrasses de toutes ces histoires du monde, des charnels, de l'orgueil, du mensonge, du comportement bizarre, de la méchanceté. Mes frères, des sentiments négatifs, des prétentions inutiles. Oh, moi je suis comme ceci. C'est quoi ça, frères et sœurs? Combattez jusqu'à ce que vous deveniez un vaurien qui ne vaut rien. Tu veux gagner quoi? Tu veux être quoi? Celui qui donne la vie est devenu un vaurien. Il a abandonné sa gloire. Même s'il savait qu'il était Dieu, il ne regardait même pas cela comme une proie arrachée. On pouvait l'injurier, tu es Belzéboul. Il disait que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Vous ne savez pas ce que vous dites. Mais moi, je veux ma raison. Toi, tu veux ta raison. Oh non, il m'a fait ceci. Oh non, moi j'ai raison. Tu iras où avec ta raison? Où est-ce que tu iras? Frère Bana me dit, l'agneau, un
un véritable chrétien, qui est un agneau de Dieu, il est prêt à abandonner ses propres droits. C'est moi qui devais avoir cette chose ici. Mais toi, tu veux me disputer avec ça? Je t'abandonne ça. Avec toute la joie, avec tous les plaisirs. On prend ça, mon frère. Mais je sais que c'est mon droit. Mais bien aimé frère et soeur, jusqu'à quand Dieu vous parlera? Pour que vous puissiez saisir que Dieu nous a parlé. Tu veux toujours être grand. Tu veux toujours qu'on te respecte. Mais il n'y a pas un problème. Même si on te méprise, accepte ça pour la gloire de Jésus Christ. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Mais en faisant ça, tu ne perdras jamais. Tu seras au contraire plus grand. Dieu va t'élever encore davantage. Oh frère, que Dieu nous aide. Il faut lutter jusqu'au bout. Au paragraphe 108. Mais après que son fils Abraham eut remporter la victoire, Melchisedec le rencontra et lui donna du vin et du pain, montrant que lorsque cette bataille terrestre est terminée, nous le rencontrerons dans les cieux et prendrons à nouveau la communion. Ce sera le souper des noces. Je ne boirai plus désormais de ce vin, ne mangerai du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en mange et en boive de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce juste? Paragraphe 109. Remarquez de nouveau, Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham avant qu'il arrive chez lui. Il a gagné la bataille. Il n'est pas encore arrivé à la maison. Et Melchisedec l'a rencontré. Il lui a donné le pain et le vin pour le fortifier. On verra ça. Quand frère Bana me dit, quand les enfants d'Israël ont pris cette communion, ont pris ce repas, ils ont été forts. Pendant 40 ans, même leurs habits ne se sont pas détériorés. Pendant 40 ans, leurs souliers ne se sont pas usés. Pendant 40 ans, à cause de cette communion. En principe, quand on prend le repas du Seigneur, on doit devenir fort. Si vous devenez faible, rentrez dans la Bible. La Bible dit, celui qui mangera indignement deviendra faible. Il aura des maladies. Il aura ceci. Et même la mort physique peut intervenir. Quand vous mangez indignement, le repas du Seigneur, il dit beaucoup sont morts. Ah, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Oh non, il a piqué une crise. Non, parce qu'il avait mangé indignement le repas du Seigneur. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons prendre ce repas au sérieux. On doit se présenter avec tous les sérieux possibles. Ne jouons pas avec ces choses. Peut-être que hier nous avons joué. Mais maintenant, vous êtes instruits. Mettez vos vies en ordre. Qu'il n'y ait rien entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur. Sois propre dans ton cœur avant de venir ici. Mais bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide.
Quel type magnifique que nous avons ici. Melchisedec racontera Abraham après la bataille. Avant que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs. Avant d'arriver chez nous. Oh, frères et sœurs. Avant que celui-ci arrive chez lui, pardon. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d'arriver chez nous. C'est vrai. 2 Thessaloniciens nous le dit. Car nous le rencontrons dans les airs. C'est encore un type. Un magnifique type de Rebecca racontera Isaac dans les champs, dans la fraîcheur du jour. Rebecca racontera Isaac dans les champs, et après il a ramené chez lui. Nous rencontrerons Jésus dans les airs. Et après, il va nous ramener dans la maison du Père. Oh, mes frères et sœurs. Ce temps est pour bientôt. Je ne sais pas si vous y pensez. Vous vous réveillez le matin. Vous pensez à ça. Je ne sais pas. Celui qui y pense ne peut pas être la même personne. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Il va marcher avec tremblement. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui peut m'empêcher d'y aller? Du matin jusqu'au soir. Maintenant je vais dormir. Je fais l'examen de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Avec qu'est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'étais favorable à telle personne? Qu'est-ce que j'ai achoppé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai blessé dans ma façon de parler? Mes frères, ça se dit comme de la blague. Mais c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Et dormir maintenant en paix. Et nous attendre à rencontrer les anges de l'Éternel. Oh, que Dieu nous aide. Il va nous aider certainement. Il dit, nous le rencontrons dans les airs. 2 Thessaloniciens nous le dit. Car nous, les vivants, qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Frère Bana me dit, tous ces types sont parfaits. D'abord, ceux qui sont déjà morts, ils vont ressusciter. Ils seront revêtus des corps glorifiés. Ils seront dans les corps glorifiés. Pendant que nous serons encore dans ces corps ici, charnels. Peut-être que pendant qu'elles sont ressuscitées, nous ne pouvons encore tomber malades. Oh frère. Oh ndeko. Et quelque part frère Bana me dit, le premier second le dernier. Et le dernier second le premier. Oh frère et sœur. Oh ndeko bali pe mwasi. Et ils seront enlevés. Bango bakoneto na. Et nous maintenant. Episo sikawa. Ensemble avec eux. Elongo na bango. Nous serons enlevés. Tokoneto la. Mais d'abord ce sont eux qui auront des corps glorifiés. Et frère Bana me dit dans la statue d'un homme parfait que quand ces gens-là seront maintenant ressuscités,
ce sera, je ne sais pas moi, quelque chose, c'est une puissance qui sera là. C'est un événement qu'on ne peut pas expliquer. Voir ceux qui sont morts, qui étaient vivants, qui sont morts et qui sont ressuscités. Ça va nous bouger. Ça va nous secouer. Donc, ça va nous rendre autre chose. C'est leur présence au milieu de nous. Nous verrons vraiment que maintenant c'est terminé. Maintenant c'est le départ. C'est alors que si tu es dans la forêt, ne cherche même pas à revenir à la maison. Attends-tu à être changé. Ne va pas chercher quelque chose d'autre. Parce que l'état est terminé. Nous voyons les morts déjà ressuscités. Vous allez encore chercher quoi? Allez vendre au grand marché? Non, frère. C'est à ce moment-là que vous allez prendre la Bible. Oh Seigneur, merci. Vous allez vous mettre à genoux. Vous ne faites que prier. Rien d'autre que ça. Parce que d'un moment à l'autre, on sera changé. Toi, tu vas aller chercher les histoires, pourquoi? C'est fini! On arrête tout! Oh, quel temps glorieux qui nous attend! Quand les morts à Christ seront ressuscités, nous serons sûrs! C'est pourquoi Frère Bana me dit, nous saurons que bientôt nous partons! Nous le saurons! Oui, frère et sœurs! Ce ne sera pas un secret pour nous! C'est un secret pour le monde. Parce que nous allons partir sans qu'ils le sachent. Mais nous qui sommes concernés, nous le saurons. Parce que nous allons communier avec les morts. Le mort ressuscité. Il viendra comme Jésus était venu. Quand il est ressuscité, il est arrivé dans la maison sans ouvrir les portes. On le voit seulement dans la maison. Que la paix soit avec vous. Nous les verrons comme ça. Il entre chez toi. Dis mon frère, comment ça va? Frère, ce ne sont pas les gens que nous ne connaîtrons pas, non. Que nous ne connaissons pas, non. Ce sont les gens que nous connaissons qui vont venir pour que nous n'ayons pas de doutes. C'est elle, tu le connaissais quand il était vivant. Tu vas encore le reconnaître quand il vient. Et vous serez sûr que c'est terminé. La résurrection a eu lieu. Ce qui reste maintenant, c'est le changement de ce corps. Oh frères et sœurs, des choses glorieuses comme ça que Dieu a préparé pour vous. Et vous continuez encore à regarder au monde comme la femme de Lot qui a été transformée à un morceau du sein. Ce ne sont pas des histoires. N'aimez pas le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si vous achetez, marchez comme si vous n'achetez pas. Si vous vendez. Mais, ne mettez pas votre cœur à ces histoires-là. Vivez comme si vous n'avez rien. Mais vous possédez. Mais vous vivez comme si vous n'avez rien. Que les choses que vous possédez ne puissent pas influencer votre vie. Vous poussez peut-être à devenir orgueilleux. Non. Allez à l'école, ayez des diplômes. Mais marchez comme si vous n'avez rien. Que les diplômes ne vous poussent pas à regarder les autres comme vous êtes, comme étant au-dessus d'eux. Fuyez le monde. Et entrez en Christ. Oui, frères et sœurs. Oh, mes bien-aimés. Dieu nous a donné le type de la communion. Ou du repas du Seigneur. Et
Il nous a montré comment on peut l'avoir. C'est quand nous avons combattu le monde et nous avons vaincu le monde et la bataille est terminée. Alors, nous pouvons venir auprès de Melchisedec pour qu'il puisse nous donner du vin et du pain. C'était un type pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous présenter au repas du Seigneur sans avoir combattu le monde, sans avoir vaincu le monde. Tu as toujours menti, c'est vrai. Combattre ces mensonges-là jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous avez toujours été orgueilleux. Mais combattre ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous avez toujours critiqué les gens, parlé à mal des gens. Ça, vous le savez, vous le faites. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi qui le fais. Commence à combattre ça. Tu le fais ce matin, et puis après tu te répands. Seigneur, non, je ne veux pas que tu sois ici. Aide-moi. Donc, tu dois te révolter à tout moment contre toutes ces choses-là. Et demander le secours de Dieu. Dieu t'aidera. S'il a aidé Abraham, il t'aidera toi aussi à vaincre ces choses-là, à combattre ces choses du monde qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, la Bible est pleine de bonnes choses. C'est Dieu qui a écrit la vie de ses enfants. La vie, les relations entre Dieu et ses enfants. Dieu a mis ça dans la Bible comme des types afin que cela devienne une réalité. C'est maintenant que cela doit devenir une réalité. Parce que les gens du temps de Luther, même s'ils avaient combattu le monde, ils ne pouvaient pas aller à la rencontre du Seigneur. Les gens du temps de Wesley, même s'ils étaient sanctifiés, ils ne pouvaient pas aller à la rencontre du Seigneur. Les pentecôtistes, même s'ils avaient le don, la puissance de Dieu, ils ne pouvaient pas aller à la rencontre du Seigneur. C'est maintenant le temps où on peut voir les gens qui peuvent combattre, gagner la bataille et aller au ciel. Le véritable antitype d'Abraham, c'est nous maintenant. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et je lui dois tout. Gloire à Jésus. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Oh Jésus, de mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force,
Dit à Dieu quelque chose. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de chercher la purification de la part de Dieu. C'est le temps où la parole doit vous sanctifier. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, oh gloire à Jésus-Christ. Père bien-aimé de tout ça. Laisse le feu du vin, bien-aimé. Purifiez ma langue. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, bénis-toi. Laisse le feu du vin, bien-aimé Père. Consumez tout ce qui est du monde dans mon cœur, bien-aimé Père. Alléluia, alléluia, oh gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia, alléluia, oh gloire à toi, Père bien-aimé de tout ça. Sois béni, 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 béni. Je continue. Alléluia. Alléluia, oh gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia, oh gloire à toi, bien aimé de tout puissant. Merci Seigneur. Merci le roi de Dieu. Merci le tout puissant. Merci le Seigneur, le Seigneur. Dieu bénit éternellement. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mon âme, bien aimé, que mon âme soit plus blanc que la neige, bien aimé, que toutes les impuretés de ce monde, des pensées inutiles, bien aimé, Père. Alléluia, des sentiments inutiles, oh Dieu, que cela soit ôté de mon monde, bien aimé, Père, de ma pensée, de mon cœur, bien aimé, Père. Alléluia, oh gloire à Jésus, déverse ton amour en moi, bien aimé, Père. Alléluia, oh gloire à toi, bien aimé, de tout puissant. Déverse la charité à mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Au gloire à Jésus. Alléluia. Au gloire à ta paix de tout puissant. Que c'est je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Alléluia. Au gloire à Jésus, notre Dieu. Alléluia. Au gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Au gloire à ta paix de tout puissant. Je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu. Le même hier, aujourd'hui. Seigneur. Oh, bénis les enfants, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, belle bénévole. Oh, bénis les enfants, bénévole. Le cœur plus. Le cœur plus. Les pierres, bénévole, mes pères. Accorde à chacun, bénévole. Oh, de tout puissant, les pierres de la chair. Alléluia. Afin que la parole soit dans la vie de chacun. Accorde à chacun, bénévole. Ignorez spirituel, mon Dieu. Ce peuple, bénévole, mes pères. Que tu m'as donné, Seigneur. Ton peuple est tout puissant. Et tu as mis à côté de moi. Et tu as mis devant moi, Seigneur. Alléluia. Bénis-moi de tout puissant. Et depuis pour chacun, ton bénévole. Oh, mes femmes, oh, mes mères. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Pitié pour le monde. Miséricorde, mes mères. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père de tout puissant. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, le roi de moi. Merci le tout puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oh, gloire à toi. Que chacun de nous, mes pères, puisse trouver grâce devant toi. Oh Dieu. Mon Dieu, mon roi, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Sois béni, mon roi, jamais. Qu'ils abandonnent tout soit traité, mon Seigneur. Je reste qui reste alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Que le diable ne personne, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Père, bien-aimé de tout puissant. Alléluia. Père, bien-aimé de tout puissant. Les arabes.
relâche tout ce qu'on ne veut pas. De la guerre de Dieu, c'est cher. De la guerre des mains du diable. Au nom de Jésus-Christ. Diable, laisse les enfants de Dieu tranquilles. Éloigne-toi de Dieu, bénémoine. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je mets mes chers à moi-ci. Il m'a lavé comme Jésus béat. Et je lui dois. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, c'est la suffit. Alléluia. Que Jésus met au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai, oh, oh, oh. Il est écrit, oh, oh, oh. Cela suffit, hey. Que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Nous allons prier le Seigneur. Toko bondela yanzambe. Mes bien-aimés frères et sœurs, que ça ne soit pas une habitude que nous avons prise de venir chaque mardi ici, chaque vendredi ici et chaque dimanche ici. Non, que cela ne devienne pas une habitude, que cela soit vraiment une chose réelle, un désir de venir rencontrer Dieu, de venir écouter ce qui est la volonté de Dieu et de prendre une position, une décision de marcher selon la volonté de Dieu. Dieu nous communique sa volonté, frères et sœurs, qui n'est pas la volonté
volonté du pasteur ni du prédicateur. La parole que nous écoutons, c'est sa volonté à lui. Acceptons sa volonté et marchons selon sa volonté. Dieu ne viendra pas par la colonne de feu vous parler, et même s'il venait par la colonne de feu, si vous n'écoutez pas ce qui est dit ici, vous n'écouterez même pas quand il vous parlera comme ça. Jésus lui-même, il était Dieu. Il a parlé aux gens. Ceux qui étaient des dieux ont entendu. Et ils ont accepté ce qu'il disait. Si vous êtes des dieux, vous obéirez à ce que Dieu dit. Certainement, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais pour nous. Pour la parole qui est au milieu de nous. Oh Seigneur, notre Dieu. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos faiblesses immenses. Pardonne toutes les fautes que nous commettons. Et les erreurs que nous commettons, Seigneur. Aide-nous maintenant à marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Et quelque chose de nouveau, une nouvelle marche puisse commencer entre toi et nous, Seigneur. Père bien-aimé, que celui qui a failli hier, aujourd'hui, Seigneur, qu'il se relève et qu'il puisse aller de l'avant avec la force que tu lui communiques, Seigneur. Père bien-aimé, c'est toi qui nous as appelés. Nous étions dans la boue du monde. Et par ta grâce, tu es venu nous chercher, Seigneur. Nous faire sortir de la boue. Et tu as commencé à nous laver, Seigneur. Oh, Père bien-aimé. Oh, Tata Molingami. C'est ton amour que tu nous as manifesté. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, que nous avons encore une autre promesse glorieuse. Que celui qui a commencé le travail en vous, il amènera à la perfection. Oh, merci, Seigneur. Oh, Mato Nicolo. Nous sommes heureux, ô Dieu Tout-Puissant, d'entendre ces bonnes paroles, sachant qu'un jour, nous atteindrons cette perfection. Père bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons encore te dire, Seigneur? Que toi, tu ne connais pas. Tu connais la vie de chacun de nous. Tel que nous sommes ici, personne n'est caché devant toi. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Personne ne peut te tromper. Père bien-aimé, puissions-nous trouver grâce devant toi. De marcher comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. De nous conformer à ta parole, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu. Qu'est-ce que nous allons gagner en résistant à ta parole, Seigneur? Oh Père Céleste, c'est le diable qui nous trompe, Seigneur. Père, tends ta main sur chacun de nous, Seigneur, afin que ta grâce puisse reposer sur chacun de nous, Seigneur. Et que le diable puisse aller loin de chacun de nous, Seigneur. Et de chacun de tes enfants, Seigneur. D'apprendre à résister au diable. Et nous sommes sûrs qu'il fuira loin de nous. Oui, Père bien-aimé. Encore une fois, Seigneur. Bénis tes enfants qui ont écouté cette parole. Qu'ils sachent réellement, Seigneur, que nous devons combattre et vaincre le monde. Nous devons mettre nos vies en ordre avant de venir à la table du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons les paniers devant nous pour récolter les offrandes afin d'accomplir ce service. Bénis tes enfants, Seigneur, qui soutiennent cette œuvre au Dieu Tout-Puissant, et accorde à chacun un travail pour que chacun puisse soutenir cette œuvre. Nous comptons sur toi,
Seigneur. Et nous attendons à toi, bien-aimé Père. Rentre avec chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive chez lui. Et si telle est ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant, que le vendredi nous puissions nous rencontrer ici pour partager le pain de vie, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Frère, bonne année, Kibunda. Deko, bonne année, Kibunda. Qui demande au Saint de prier pour lui afin que Dieu le guérisse des douleurs intenses qu'il sent au niveau de la clavicule. Et de l'épaule droite ainsi qu'à la hanche. Voudriez-vous aussi voir un de nos frères qui prie pour les malades? Qu'il prie pour toi. Et la foi, Dieu te guérira. Il y a aussi le frère David Demba qui a demandé au pasteur ainsi qu'à toute l'église de prier l'Éternel. Afin qu'il protège sa famille résidant en Afrique du Sud. Et qu'il l'aide à trouver les moyens de payer ses frais académiques. Pensez à ces requêtes dans vos prières. Et nous communiquons que le dimanche 22 septembre 2019, il y aura mariage, le frère Dakin Kwete et sœur Vassia Mboyo Acacia vont se marier. Il est demandé à toute personne qui avait égaré son argent dans l'église ce dimanche 8 septembre 2019, de bien vouloir contacter le diacre Banga et Yumi après le culte. Nécrologie, le frère Lazare Bimpe a la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs de l'église des élus la mort de sa petite sœur aujourd'hui à 3h du matin. En attendant le programme qui nous sera communiqué ultérieurement, le corps est gardé à la morgue des cliniques universitaires. Le frère a vraiment besoin de vos prières. Il a donné son numéro de contact. 082 68 08 542. Je reprends, 082 680 85 42. Vous pouvez noter ça. Okay. Et le demain mercredi il y aura les audiences. Et lobby mon colami sato boyamami ekozala. Et seront reçus le frère Jean Kalala, frère Biaya Benjamin, sœur Betty Bambou, sœur Naomi Lupetu, sœur Lionga Naomi, frère Ndibou Trésor et le frère Blaise Bouloba. Ok, on va chanter. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi.
toi. Oh, maintenant saisis la main de ton Sauveur. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh, maintenant saisis la main de ton Sauveur. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Namo bembo bangate. Yesu azali liboso. Yesu ye mosikoli. Bilaye katina kontima. Pesoko kweyate. Sikawa simba loboko na Yesu akopesa yo esengo ya seko ami pesa ki pona yo bilaye katina kontima.